Et les gens, bienvenue sur frappstage.fr, au son blog tissant3.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Star Wars Jedi Fallen Order, donc sur PC, j'y joue via le Origin Access première, c'est donc parti pour un tour. Nous sommes en plein sur la planète Kashyyyk, un truc dans le genre. Et alors comme ça, Seg envoie des textos à tout le monde. Ton conjoint ? Vous êtes marié ? Bonsoir, Sir Bobby. Comment allez-vous ? Je plonge. Ah, c'est X pour plonger. Alors, j'ai un respirateur. Donc, on est d'accord qu'on va regarder par tout ce qu'il y a dessous, hein ? J'ai envie de savoir ce qui se cache là-dedans, moi. Tissa Sovem ici! On va croiser Jar Jar Binks. C'est rigolo, ces robots qui craignent pas le... Il récupéra une pomme dauphine. Ouais, il arrive à parler sous l'eau. Bon, c'est un Jedi. Mais ils ont peut-être pas développé assez leur technique de nage, effectivement, dans le monde de Star Wars. Je suis marié, quoi. Bon, il y avait rien d'autre par ici. Ouh, c'est joli, ça. Je suis passé dedans ou dessous sans le voir, c'est ça? Il y a même des gens encore dedans. En même temps, apparemment, c'est pas, il y a pas si longtemps la guerre des clones, mais quand même. Mais Yoda, pendant l'ordre 66, il n'était pas à cette planète, justement. C'est sur quelle planète qu'il va, Luke, pour retrouver Yoda? Dagobah? Je sais plus. Hey, Adrien, comment vas-tu? Une nage bourrée, exactement. Salut, Seiya. Alors, ce Star Wars, j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal avec le gameplay, parce que je suis très très mauvais, et que le mec met deux minutes à retrouver du soin, j'abuse bien sûr, j'extrapole en disant 2 minutes, mais il met beaucoup de temps à retrouver du soin. Ah, je savais qu'il fallait se mouiller les cheveux par ici. On vérifie quand même qu'il n'y a pas de bestiole dégueulasse. C'est quoi ça? Un gros tronc d'arbre? D'accord. Un Wookiee s'est abrité ici pour pleurer la perte d'un ancien. Je crois que j'avais raté quelque chose. Mais c'est cool les gnangnans. Les Wookiees. Rituel des Wookiees. Les Wookiees ont pleuré la perte d'un être cher ici, un ancien connu pour sa sagesse. Ouais, comme moi quoi. Non, ça marche pas. Est-ce que je peux allumer le sabre laser sous l'eau? Non. Donc conclusion. Dagobah, c'est ça. Ouais! J'ai réussi à sortir un nom. J'ai réussi à sortir. J'ai pas réussi à parler par contre. J'aime bien les jeux, tu veux dire, mais il est mauvais, Deus Ex, Star Wars, Red Dead Redemption 2. Mais tout le monde sait que je suis pas bon aux jeux vidéo. C'est pas nouveau? Alors, ça bouge, mais le robot ne va pas dedans, vous le remarquerez. Paix et justice 2. Electrum. Wingardium Leviosa. C'était pas prévu ça, merci beaucoup Rémi.
Coucou à toi. Merci pour le soutien et merci pour le cadeau. Comment ça va? Quoi de beau? Non, les morts, c'est froid, Bobby. De quoi, les Kyo? Je vois des gens qui sont morts. Qui? Quand? Comment? Ah non, j'avais pas vu. C'est pas je vois, c'est je dois des gens. Bah ça dépend où est-ce qu'on les trouve, les morts. Laissez pousser les cheveux après, bon... Attends, elle est où la sortie? Attendez, on va trouver une sortie. Ah, parce que je peux pas régler ma carte non plus quand je suis sous l'eau. Donc on va remonter à la surface. Ah non, mais il faut vraiment que je monte à la surface, genre que j'ai les pieds à terre pour voir la carte. Attendez. Ah, attendez, on va y arriver. Alors. Alors, apparemment, c'est par là-bas qu'il faudrait que je parte. C'est ça? Donc, faut juste que je traverse, que je plonge sous les eaux. Et je crois que j'ai même pas dit bonjour à BG, du coup. Comment ça va, monsieur? Est-ce que tu tiens le coup? Donc c'est par là-bas. Ah, il fait des accélérations en fait, j'ai pas vu. Il va super vite des pieds. Ah mais c'est pour ça que j'ai pas eu... Attends, scanner. Mais il a pas scanné. Ah si. Mais comment il fait pour parler sous l'eau? Canonnière, Ayaba. Même dans le retour de la force... pas le retour de la force, la menace fantôme, ils font des signes et des... Non? Je sais plus. Voilà, les cheveux poussés, regardez. Je vous propose qu'on regarde celui-ci. Ah non, il est mort, pardon. Non. Nope. Ok. Net. Précis, à moins que la réponse c'est pour quelqu'un d'autre. Non, la neige, ça n'existe pas encore, pas chez moi. Également, je crois que je suis même pas allé voir. Également connu sous le nom de canonnière d'assaut de la République, un transporteur de troupes armées utilisé par la grande armée de la République au cours de la guerre des clones et lors des premières années de l'Empire. Très manœuvrable, il permettait un déploiement ou un repli rapide lors des batailles, sous tout type de terrain ou sous tout type de climat. Je vois des cheveux qui sont... Ça me choque, moi, qu'il puisse parler sous l'eau. Parce qu'encore une fois, ils disent qu'il a un respirateur, mais... Voilà, ça veut dire qu'à peine, il peut pas ouvrir la bouche avec un respirateur comme ça. Ils auraient dû couper les blablas quand ils l'utilisent comme ça. C'est très bizarre. Elle ronronne la plante, écoutez. Câlin! Je suis un Jedi long. Affrontez-moi. Vous avez vu comment il cherche à me vomir dessus? On pourrait croire qu'on pourrait enchaîner les attaques comme un grand malade, etc. parce qu'on a un Jedi. Eh ben non! On fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Un pas en arrière. Parce qu'on est un Jedi. Les musiques sont jolies, les environnements sont jolis, tout ce jeu il est joli. Darfoul n'a pas pu les tenir à distance. Ils n'arrêteront que quand tous seront morts. Eh ouais, c'est les exploitants de l'huile de palme. Apparemment faut que je replonge.
Donc je rappelle que notre objectif actuellement est de réussir à rejoindre les racines de... Comment ça on ne voit pas bêcher depuis YouTube? Comment ça on ne voit pas bêcher depuis YouTube? C'est pas normal ça? Donc des cheveux froids, exactement. Je veux dire, ils tiennent chaud, hein, mais ils sont froids. En fait, c'est entièrement des cheveux que j'ai replantés un par un en les prenant sur les cadavres de quelqu'un. De quelques-uns, pardon, parce que si je dis les cadavres, il y en avait plusieurs. Déjà, c'était extrêmement compliqué, parce qu'il a fallu que je trouve plusieurs gens avec la même longueur et la même couleur. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Bonjour! Il y a des plantes. Et les plantes, elles font rien qu'essayer de me manger! Elles sont méchantes, pourquoi ça clignote ici? Ah, parce que tu m'as envoyé des petits, des petites choses. Fais des tout petits ronds, je fais les boogie boogie, je fais le tour de moi-même, et je vais... Je sais plus ce que les paroles. Je trouve ces choses terrifiantes. Wow, eh ben dis donc, tu vas un peu fort. On est d'accord, y a pas un truc à gauche, là? J'ai l'impression que ça descend plus bas. Je sais pas, j'ai pas spécialement envie de tenter. Ah. Bonjour les filles. Ravi de vous rencontrer. Merci. J'aime quand ça se passe comme ça. Attends, il y a un truc par là-bas, là. Il y a un truc sous la cascade. À tous les coups, faut passer sous la cascade. Et en plus, il y a un machin ramassé de l'autre côté. On va aller voir. Et là-bas, il y a quoi? Attends, est-ce qu'on peut faire le tour par ici? Par hasard. Non, c'est du vide. C'est du vide. Ok. Donc, passons sous la cascade. Allons voir ce qu'il y a par là. C'est là qu'il y a du courant, que je me fais emporter, que je tombe ici. Ça aurait été un peu embêtant. C'est vrai? Non mais après, si le bot a peut-être déjà eu... Souvent il a du retard sur YouTube de toute façon. Pendant ce temps-là, je mange une pomme dauphine. Qu'est-ce qu'on a là? Nouvelle poignée de sabre laser obtenue. Et on attend. J'ai repéré la position du général Devoki. Approchez. Six sur 8 pisteurs impériaux. Une escouade à la recherche des partisans des Devoki. Ils viennent pour Tarful. Mais apparemment ils ne l'ont pas eu. Parce que... On vient de le croiser. Là peut-être c'était son fantôme Jedi et on le sait pas. Il peut pas être Jedi parce qu'on est les derniers Jedi. Comme dans tous les Star Wars. Enfin on est le dernier Jedi qui peut sauver la galaxie. La galaxie. L'univers. Qui en rajoute des couches et qui est dégueulasse. Comment être désagréable? Bonjour. D'accord, il faut que je monte, hein, parce que j'ai pas envie de descendre. Ça mène là où je suis déjà allé. Bijour, j'arrive. Je vais tenter d'ouvrir, d'allumer le sabre laser.
dans cet environnement. Je crois qu'il y a un truc qui passait au-dessus de moi, là, non? De quoi? Qu'est-ce que ça a été? Ne peut en rester qu'un. Paix et justice. Donc j'ai récupéré Paix et justice 2. On est d'accord qu'on voit pas grand-chose ici. Invisible. Ok. Donc on va aller par là-bas. Bonjour. Tuk 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 tuk. Tout ça pour atteindre une racine. Le chemin sera long, jeune Padawan. Mon apprenti. Toi, je te veux. Tu crois que l'Empire s'en serait pris à Kashyyyk comme ça, sans notre intervention? Les Jedi sont censés incarner l'espoir, mais j'ai attiré l'Inquisition ici. Mari et Tarful comptent sur moi. Non, mais attends. Je les ai encore mis en danger. Le mec qui se pose des questions alors que depuis le début, c'est l'Empire qui fout de la paille. J'ai l'autre, c'est mieux. Monsieur K2M. N'avez-vous point honte? Salut Lyra, comment vas-tu? Quoi de beau, bravo pour ton niveau 4. J'aime sa plante qui ronronne. Mais sérieux, je suis lent. Les combats dans Star Wars. Je n'ai jamais croisé des comme ça. Ah mais... Plus rapide que je le pensais, tu parles, oui. C'est dommage si j'ai le pouvoir de la force pour le combattre, mais au bout d'un moment c'est long quoi. Faut pas abuser. Ah non, mais t'es, je me trouve tellement lourd pour un jeu de Star Wars Jedi quoi. Je trouve ça assez. C'est ce que je dis. Je vais pas dire que le gameplay est mauvais parce que c'est un type de gameplay que j'apprécie pas spécialement. Donc c'est moi le problème dans l'histoire. Mais je trouve que c'est un mauvais choix en fait. J'aurais préféré être rapide, être dynamique, être... Alors je pense qu'on peut l'être hein, quand on a l'habitude et quand on sait jouer à ce genre de jeu. Mais c'est pas mon cas. Mais le problème c'est que c'est long, mais c'est simulation surtout, c'est ça le souci. Ah bah tiens, la 9e sœur. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit morveux de Braca qui joue au Jedi? J'ai dit au grand inquisiteur que tu n'étais pas assez stupide pour revenir pointer ton nez ici. Après que nous ayons pulvérisé cette résistance de pacotille. Non mais donne faim. J'aime tellement avoir tort. Elle a une tête de pomme dauphine avec des cornes. Et elle se barre. Bonne nuit Marie-Gorée. C'était pas prévu ça. Je vais bien.
Pardon. Je me fais un peu tirer dessus quand même. J'adore par contre sa façon de glisser. Là on sent qu'il est agile, qu'il est un Jedi. Tu vois. Mais dans les combats, c'est tout l'inverse. Accroche-toi. C'est pratique, ma foi. T'es joli au-dessus, là. Les trucs qui s'allument à notre présence. Ah, ils sont en face. Waouh. Eh, jolie la bestiole. Bien joué. Une bestiole. La 9e sœur doit appeler. La flexion faite, elle écoute toutes leurs transmissions. Elle le découvrira elle-même. Ah, ça commence à dire des choses genre ah, attention les bruits. Moi je suis gentil. Ça va être épique. Mais de toute façon je l'ai pas à Death Stranding. J'ai pas l'intention de me l'acheter donc si jamais je viens le faire, parce que quelqu'un me l'aura offert, donc il faudra s'en plaindre à lui ou à elle. Salut au 33, comment vas-tu? Ah, ça va pas marcher, quand deuxième. Il y a un coffre là-bas, je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a un coffre. Il y a vraiment rien d'autre à voir, là? Je suis arrivé de par là, ok. Donc, oui, ça va bien de mon côté. Sauf que je suis toujours aussi mauvais à ce jeu. Du bronzium. Je vais vers la lumière. Elle n'attend que moi. Viens. Ah bah non. Ça y est, c'est fini. Ah, il n'y a plus de lumière. Bravo. C'est quand même filtrement joli des fois. Ça, je trouve ça beau. Je regarde si j'ai rien vu. Oh, une araignée, comme c'est mignon. On va encore se faire dévorer tout cru et perdre toute notre vie. Dans le plus grand des calmes. Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est ça. Oh, mais ces cartes super grandes et super longues. Alors, attendez. Je suis là. Pourquoi il y a un... Non, mais ça, c'est parce que c'est... Là, il y a... Ok, d'accord. C'est parce que là, il y a le haut. Et nous, on vient de par là. Donc, on a fait des tas de rebonds dans ce style-là. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. Et à la base, on vient quand même de par là. Donc, en fait, on a fait un long détour. Ok. S'ils veulent. Je sens un peu dommage. Mettre tout le monde à dos. Hein. Es-tu certain de vouloir ce genre d'action? Hop là. Bon, attendez. Si je me reposais en fait, et si je méditais, carrément, on va méditer, et comme ça, on va pouvoir récupérer toute notre vie, tous nos points, etc., etc. Et ça, c'est cool. On va retourner sur la carte juste parce que j'ai une curiosité. Là, j'ai trouvé un coffre sur deux. Là, il y avait un coffre que je n'ai pas ramassé apparemment.
deux coffres qu'on a ramassés. Donc là-dedans, dans cette zone-ci, il y a un coffre que je n'ai pas chopé. La question, c'est où est-ce qu'il pouvait bien être? Bon, après, je suis pas là pour essayer de tout trouver, hein, mais... on est à 77% de la planète explorée. Je crois. Mais regardez, regardez, elles sont là en train de m'attendre. À moins que je passe par là, tant fort. Mais... chope-le. Il y a un paquet d'ennemis dans cette zone. Ils avaient dit planète hostile, mais ils mentent pas sur la marchandise, hein. Monsieur, je gerbe sur tout le monde. Tiens, découpez le gerbosaure. Et c'est où qu'il faut que j'aille? On sait qu'il faut qu'on aille vers le sommet de l'arbre. Le problème, c'est que... bah, je peux pas le voir sur la carte, à moins que... Apparemment, c'est... Ah si, si, regardez, faut qu'on aille là. Ici. Et nous, on est... là. Ici. Bonne soirée, Lyra. Lyra, Lyra, Lyra. T'as vu ça un peu comment j'articule mal ton pseudo? Bonne nuit, fais bien... Prends soin de toi, j'arrive plus à parler. Prends soin de toi. Et à la prochaine, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Mais tu l'as fait... Ah bah j'ai plus de... Faut que je les tue parce que j'ai plus assez de pouvoir. Iti, m'arrête de faire... Ah t'es mauvais. Y'a des choses à prendre par ici ou pas? Y'a un coffre. Est-ce que je tente quand même? Attendez. Parce que le problème là c'est elle. Y'en a trop, elle se déplace trop vite. Vous avez jamais dit qu'on était, vous étiez beaucoup trop lent pour ce type de jeu? Bah ouais. Bah ouais. C'est logique. C'est logique quand on est suisse de se faire des gosses contre trois araignées géantes. C'est logique. Désolé. Salut Aclis, comment vas-tu? Je pense que ton mail est préférable que je les esquive ces bestioles, mais... J'en étais sûr. Mais je sais pas qui s'est dit à un moment dans le jeu. Attends, c'est génial, le jeu est trop lent, on va mettre 3 ennemis, 4 ennemis, 5 ennemis, vas-y, on y va à fond. Je sais pas, c'est chiant. Hey Moon! Moon! Bah attends, t'as commencé ton live super tôt, t'as terminé super tard, toi. Mais je suis content que tu sois en stream. Je t'ai vu vite fait, t'avais un monsieur avec des cheveux blancs qui était contre la bestiole dans le quoi? Avec le zeuil. Je t'ai vu. Sur Resident Evil 2. T'as vu, je râle. J'en ai marre. Mettez-nous des gros ennemis comme ça qui sont déjà chiants tout seuls. Mettez-nous en 3. Allez hop. Parce qu'on aime les 3 dans les jeux vidéo. Ah, c'est chiant. Je pense qu'on est censé les esquiver, mais... Non, pas comme ça qu'il fallait que je monte. Salut Justin Dark, comment vas-tu?
prêt de vomir partout, tu veux bien que c'est gênant. Ah bah bien sûr. C'est bon. Alors elles sont les araignées, elles sont là. Pas la blessure, on est d'accord, hein. Et en plus, c'est même pas où tu vises, quoi. Y'a pas un machin qui dit tu vises ici. Tu reprends le boulot demain. Est-ce que je peux tenter un truc rigolo qui s'appellerait Pantumeur? Comme ça, là. Genre, on essaie de se faire oublier délicatement. Et après, on revient les taper. En boucle. Et bien sûr, on meurt aussi, mais ça, c'est notre histoire. Regardez, ils savent pas qu'on est là. Ah, je suis coincé dans une limace. Il est bien, ce Star Wars. Il est très très bien. J'ai normal avec le gameplay parce que je suis mauvais, mais il est très très bien. Oh, presque! Presque! Et c'est de l'anti-jeu, on est d'accord, hein, mais le jeu fait de l'anti-jeu, alors je fais de l'anti-jeu aussi. Bah attends, ils sont trop loin, je vais jamais les avoir, là. On tente quand même. Ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon. Regardez, je suis là. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Merci. Alors, pourquoi je m'obstine à essayer de les buter? Je ne sais pas, mais je trouve ça frustrant d'être un Jedi et pas pouvoir tuer une bestiole. Je ne peux pas me défendre, je suis un Jedi. Vous êtes trop loin, les filles, là. Bon, tant pis, toi qui va prendre pour les autres. Ah, mais ça monte pas par là. Ça monte pas. Je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Mais monte. Il est pas capable. Il est pas capable de sauter. Il est pas capable de sauter, ce schtroumpf. Oh là là. Mais quelle horreur. Sérieusement. Du coup, c'est passé comment? Alors, je sais plus à quoi t'as joué. Parce qu'en fait, j'ai vu le mail comme quoi t'as commencé super tôt. Mais après, quand je suis arrivé tout à l'heure, t'étais sur Resident Evil 2. Mais t'as fait que du Resident Evil 2 ce soir, Moon? Ou t'es passé sur autre chose? Bon, en tout cas, on se posait des questions avec Phila et tout. On disait, bon, est-ce que Moon Dark, elle va bien? Est-ce que... Tu vois? Ou que c'est cryptage, peut-être, je sais plus. Bref. On avait peur que t'ailles mal. Je suis content de voir que t'es là. Je vois un jeu de chat. C'était quoi? Il a pas un blaster, cet imbécile? Parce qu'il est roux. Non mais sérieux. Oh. Je crois qu'on va les passer. On s'en fout, on peut les contourner, donc on s'en fout au final, mais je trouve ça tellement dommage. Bon, alors, attendez, quelle est la suite de l'aventure logique? Parce que j'aimerais bien aller ouvrir les aller ouvrir le coffre en bas. Mais j'ai l'impression qu'aller ouvrir le coffre, c'est signer mon arrêt de mort, en fait. Au pire, je peux ouvrir le coffre, mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais apprendre ça. Pendant longtemps, les Wookiees ont pèleriné à son sommet. L'arbre... les guidait. Arbre sacré. C'est plus qu'un arbre, la source sacrée de cette planète, elle guide les Wookiees. Elles sont où les bestioles? Me dis pas qu'elles sont tout en dessous. Attends. Pour l'instant, elles ne m'ont pas vu. Je vais essayer de faire vite. Tu veux voir ce que c'est? Ah bah, j'ai pas pu le récupérer. Elles se sont jetées tellement vite sur moi que j'ai même pas eu le temps de récupérer quoi que ce soit, quoi. BD, j'ai besoin d'aide. Donc si je veux récupérer le coffre, je suis bel et bien obligé de les buter. Attends, elles ont toutes récupéré leur vie? Ouais d'accord, je leur ai fait du mal, non? Ah non, celle-là, là-bas, je peux l'avoir. Une en moins. Pourquoi tu peux me sélectionner l'autre? Merci. Je peux les avoir. Ah mais c'est chiant leur système de...
Vous avez remarqué que ça m'a dé... Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était changer de cible. Cette galère. Mais cette galère. J'aime pas ce type de gameplay. Je l'ai déjà dit. Un autre Steam. T'auras beau esquiver, t'auras beau tenter de faire des choses. Ah, y'en a marre. Aide-moi, BD. C'est ça. Mais non, mais... Sérieux ! Tu sais pas ce que c'est que de l'esquive ! Non, moi. Non, 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 non. Yes. Ah, je trouve ça très désagréable, franchement, comme gameplay. Enfin, très désagréable, j'aime pas ça. Allez hop, rôdeur. J'aime pas me sentir aussi lourd. Je suis un Jedi. Mon âge trouve. Celle-là plaira à Grise. Mais j'espère qu'elle grandira pas trop. Des chats. Ah, le jeu du... Ah non, la quête du ronronnement. Tu t'es remotivé aujourd'hui. Pas top top, la fatigue, tout ça. Oh. Mais en fait, c'est même pas le fait qu'il doit apprendre les pouvoirs de la force, c'est le fait que je sois un Jedi, et que je sois aussi lourd que n'importe quel Gugus de n'importe quelle planète, quoi. Même les limaces, elles vont plus vite que moi, des fois. En fait, tant que tu n'utilises pas la force, tu te dis, bon bah voilà, attends, il a un truc à scanner. Je me sens extrêmement lourd. Pour le moindre truc. J'ai compris, BD. Et du coup, je trouve ça idiot. On estime qu'au moins 15% des forêts de Kashyyyk sont couvertes de toiles de Wishok. La menace représentée par les Wishok est celle est telle que les Wookiees apprennent à se défendre contre ces araignées dès l'âge de 3 ans. Fais-moi voir. Bah si, vivent 10... Bon, non, Chewbacca, il a vécu plus longtemps. Bon, vous savez quoi? Maintenant, on va faire Dark Souls, on va tout faire repopper pour récupérer notre vie. Haha. Je suis mauvaise langue, je suis désagréable, je sais. Pas forcément le meilleur, c'est vrai. Voilà, le système à Dark Souls. Hop, tu vas récupérer ta vie, tu vas récupérer tes trucs. Eh ben, vous savez quoi? Les araignées, tous les ennemis sont de retour. Mais pourquoi ils ont fait ce choix-là? Regardez, tout est de retour, tout est là. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Hop là. Mais encore une fois, le jeu est bon. Parce qu'il y a des gens qui apprécient Dark Souls, donc et qui le trouvent génial, donc c'est bien que le jeu est bon. Parce que je râle pareil que sur un Dark Souls. Tiens, mange-toi ça, t'en veux un deuxième ? Cadeau! C'est auprès de la maison. Non, pas par là. C'est bon. Donc j'imagine qu'il va falloir que je monte. Bonjour la bestiole. Mais d'abord, je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'éléments à récupérer à droite à gauche. Parce qu'on aime les éléments récupérés à droite à gauche. C'est vrai? Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Il y a une bonne ambiance. J'aime beaucoup le reste du jeu en fait. Et même le gameplay, je pourrais l'apprécier si ça me faisait pas autant râler en fait. Je dis que je l'aime pas.
Parce que j'arrive pas. Donc je suis juste un gros hater. Puis il y a des fois, tu sais pas pourquoi il part dans le décor. On l'a vu à un moment, donc on était dans le temple précédent. Le personnage s'est dit, attends, je vais laisser te voler sur la gauche. Et il a volé dans le vide. Je sais pas pourquoi. Alors que t'avais jamais essayé de sauter, il est juste parti comme ça. Il a dû glisser sur un savon, je sais pas. Les gameplay est épique. Est-ce qu'il est vraiment pas au niveau ou je sais pas, je me sens pas Jedi quoi. Je me sens moins bon qu'un Stormtrooper. Boing. Accroche-toi. Faut qu'on pense s'accrocher sinon on tombe. Chut. On connaît pas ses intentions. C'est ça qui a abattu la 9e sœur. Non mais elle est pas morte la 9e sœur. Je pense qu'il m'a vu. En même temps, je voulais qu'il me voie. C'est une jolie bestiole. Salut le piaf. Est-ce que vous pensez qu'il va essayer de me becter? Y'a rien à voir par là? Rien à scanner, rien à faire? Est-ce que je suis encore super loin du haut de l'arbre? J'ai l'impression que petit à petit quand même on grimpe, hein. Attendez. Ok. Non, on n'y est pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Debout, essaie encore. Oui, mais j'y arrive pas, maître. Ah oui? Bien. Continue à échouer et à essayer, c'est le seul moyen d'y arriver. Ne te laisse pas entraver par ton ego et de faux semblants. Tu dois oublier toutes tes craintes et te relever. Allez. Mais je suis déjà debout. Encore. Bien, maintenant rejoins-moi, tu peux y arriver. L'essentiel, c'est de se relever, BD. Tant qu'on peut se relever, on peut encore se battre. J'ai enfin retrouvé ma maîtrise d'avant la purge, avant la mort de Maître Tapal. Punaise, c'est ça ta maîtrise? T'as pas appris à combattre alors? Ou pas beaucoup? N'empêche, encore une fois, je me dis que ça doit être super compliqué de s'entraîner au sabre laser. T'imagines, une erreur, tu te coupes un bras en fait. Apprendre à sauter pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et s'abandonner. C'est très bizarre comme ça en phrase. Ah donc maintenant que j'ai une nouvelle compétence, j'ai droit à de nouveau... Ah, intéressant ça. Attendez, d'abord, on va se servir de l'eau, parce qu'on le vaut bien. Et de toute façon, on va faire une coupure de rediffusion, parce qu'on le vaut bien aussi. On va échanger la bouteille d'eau pleine et la bouteille d'eau vide, parce que je ne les ai pas remplies avant mon live, et ça, c'est pas très malin, mais ça veut dire aussi que j'ai pas beaucoup bu hier, donc c'est pas très malin non plus. En même temps, je suis en train de râler, mais on remarquera que j'ai quasiment rien débloqué en termes de coups au sabre laser. C'est peut-être pour ça que je suis mauvais. à chaque esquive de précision, Cal ralentit brièvement les ennemis. Et mais ça me plaît, ça. Ah mais ça prend 2 points de force, zut. Est-ce que c'est un saut guérira? Pourquoi? Ah! Attends, je te la dois. Bravo, Jacinda! Félicitations. Pardon. Je me sens acide ce soir. Et les cheveux dans le vent. Bref, j'ai dit couper la rediffusion.
comme ceci. Et aujourd'hui, j'ai mis un réveil à 2h du matin. À partir de 2h, je couperai la rediffusion. Enfin, on terminera la rediffusion qu'on a commencé aux 2h et après on partira sur le dessin. On va faire comme ça à chaque fois maintenant. Du coup, j'espère que cette rediff vous a plu, même si je suis assez acide ce soir, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live, l'enregistrement et une nouvelle rediffusion. Si, tout de suite. À tout de suite les gens, je reviens. On entend souvent ce jingle ou pas? On va voir. Coucou Noctiel! T'as vu ton pseudo? Ah, dans la liste! On la refera la liste pour la prochaine fois, je pense. On va voir. Parce que j'ai envie d'y ajouter 2 ou 3 petites choses. Notamment les sub-gifters et les cheers, machin, truc chouette. Je sais plus comment on les appelle. Bref, à tout de suite. Pum 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 p